Après la fin de mes études universitaires sur la philosophie africaine, j'ai eu l'idée de faire un film sur les racines africaines de l'art. Et j'ai trouvé Andrissa Konaté, un artiste dont les aspirations me permettaient de développer ce projet. Où sont les courriers? Oui, très bon. Voilà. Ah, bien rangé ça. Ang n'y a pas trop de monde quand on t'a donné à Cliba là toujours. Donc, on va essayer de toi le coup, unité, et la paix. Donc, pour que maintenant, au fin de la guerre, il faut que couleur de la guerre soit. Je ne sais pas si tu as un fond de fond. Au fond, il y a des couleurs qui sont belles. Il y a blanc, noir, jaune, rouge, métis, et puis aussi les jaunes aussi. Il y a des couleurs qui sont métissées, métissées. Donc, nous avons un connaissant, peut-être une forme de sang. À travers, nous avons un objet nous placé rhum. Nous avons une perception de sang en abstrait, parce que nous avons un oiseau de sang comme l'oiseau de la paix dans le monde. Pour que malgré la diversité de gens dans le monde, mais il faut la paix pour que les gens puissent évoluer. Je vais faire la clé de l'enfant rond. Le jaune, le blanc, après avec des gradés. Il y a une couleur qui est forte. Je vais faire comme Chiao, Chiao, continent, continent. Madame, Europe, continent asiatique, continent africain, continent américain.
bon différents mon bagon bako jaune exactement bi rouge ani noir blanc métis exactement abe fusionné nona exact et puis abe cléné père mati ya fro rel merci cool ouais. Ah ouais, c'est un peu de temps dans la tête là. Les gars, elle est inspirée quoi. On voit dans le monde, mais une petite nous met des scènes par terre. On garde le conseil quoi. Au début, c'est. Quand on a le coup de boulot, on met les tout ça à faire quoi. Une flamme, bague, on va faire. On va donner un seul découragé là. Bon, quand on a la plaie. Voilà, il faut que dessin, faire un dessin. En même temps, Zirou va faire quoi. Donc, nous avons côté Tchara, après c'est ta Tchara. On va faire meilleur quoi. Voilà. L'Afrique noire a longtemps été ignorée dans l'éventail des arts du monde. Aujourd'hui encore, les clichés qui prétendent que l'Afrique n'a pas d'histoire artistique demeurent dans les mentalités des peuples décivilisés. Pourtant, nous avons bien des choses à montrer au monde en partant des signes et témoignages des arts que nous ont légués nos ancêtres, à travers ces sculptures séculaires, ces idéogrammes et représentations gravées dans les roches depuis des siècles au pays d'Ogon et ailleurs. Dans les années 90, une nouvelle génération de créateurs africains prend conscience et décide de revaloriser le patrimoine culturel africain. C'est la naissance du Roots Art. Allô, les amis. Hey. Ça va? Ça va. Ça va.